Hey, salut tout le monde, ça c'est les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA 5 Online pour l'import exotique. Donc c'est tout nouveau, en tout cas c'est sur ce DLC Los Santos Tuners. Donc ça tombe bien. Il y a, par contre oui, avant de commencer cette vidéo, je vous invite de cliquer sur like, de faire partager cette vidéo et de commenter. Bien sûr, j'attends votre réaction avec impatience. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés ou celles qui sont déjà abonnées, je vous invite de décocher la cloche et ensuite recocher sur toutes les notifications. Et puis toi qui passes par là, qui n'est pas encore abonné, c'est le moment et d'activer la petite cloche bien sûr. Donc on va s'intéresser aujourd'hui sur les voitures. Donc les voitures, bon, il suffit d'aller devant, voilà. Ensuite, bon, là, j'ai déjà commencé. Donc là, installer les améliorations des carrosseries. Carrosserie, hop, qu'est-ce qu'il faut choisir? LXL. D'accord. Donc, dans les ailes, hop, XL. Ouais, c'est XL. Voilà. Marchepied. Tuyau. Donc, il faut que je revienne en arrière, je crois. Hop. Donc tout est indiqué en bas ce que vous devez mettre sur la voiture que vous devez vendre ou garder pour vous. Marche à pied, tuyau. Donc amélioration marche pied. Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Non, il faut trouver marche pied. Bon. Hop, dans le pare-choc ça non? Hop. Je regarde bien. Hop. Je suis complètement perdu là. Je suis perdu. Hop, il y en a 14. Donc c'est quoi que je dois regarder? Amélioration demandée, marche-pied. As-tu accessoire de toi, galerie raid. Ok. Ah voilà, oui, j'ai pas vu. Donc c'est tuyau qui demande. Hein. Allez. Hop, voilà, ça c'est bon. Accessoire du toit, donc il faut que je cherche des accessoires du toit. Accessoire toit, hop, il est où le toit? Hop, allez, motif. Ça va trop vite là. Je pense que j'ai un petit problème de joystick à la gauche. Accessoire du toit, c'est bon, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est galerie raid. Il faut mettre. Hop, ça doit être ça. Non, c'est galerie raid qui est juste là. Voilà, c'est bon, c'est modifié. Est-ce qu'il y a d'autres? Après, est-ce qu'il faut rajouter des choses? Je ne sais pas du tout. De type de roue au type de roue. Alors, installer une nouvelle roue. Roue. Qu'est-ce qu'il faut? Hop, circuit. Donc je choisis circuit. Voilà, hop, je suis là-dessus. Poivrier. Il faut que je trouve poivrier. Il est où le petit poivrier? Il est juste là. C'est bon, c'est équipé. Maintenant, il faut toujours revenir en arrière. Couleur de jante. Bon, est-ce qu'il demande? Non, il se moque. Donc on met tout et n'importe quoi. Pneu, bah, apparence de pneu. Il demande pas non plus. Voilà, on peut mettre n'importe quoi. Installer nouvelle roue. Ah, il faut que je revienne en arrière parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc il faut que je choisisse circuit bien sûr. Ensuite il faut que je décoche parce que là j'ai fait un petit peu d'erreur. Il faut complètement revenir. Apparence des pneus, est-ce qu'il faut que je touche? Amélioration, bien sûr, c'est fait. Fumer, on peut choisir tout et n'importe quoi, je pense. Voilà, c'est bon. Et maintenant, confirmer. Voilà, confirmer. Maintenant, on est à 35 000 en totalité de modifications. Livrer véhicule personnel. Donc, je peux livrer au client et je peux garder pour moi. Donc, bon, malgré qu'il manque de performance, ben, je peux quand même aller livrer à l'entrepôt ou enfin chez les clients. Donc la distance de la livraison c'est vers 2 km, entre 1 km 30 et
2,30 km, quoi, à peu près. Pour l'instant, en tout cas, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est bon, avec un peu de casse, j'ai réussi quand même à livrer la voiture. Je pense que je vais pas te payer comme d'habitude. Ça a l'air plaire aux clients en tout cas. Alors, moins 3000, 3936, ça va encore. Donc, du coup, je suis payé à 58 000 sur. Hop, désolé, tu m'as attaqué tout à l'heure. Donc, j'ai 2000, enfin 20 000 de bénéfices, hein. C'est pas énorme, c'est pas. On va dire si on peut devenir riche, mais avec le temps, quoi, pas du jour au lendemain, on va dire. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur like, de faire partager. Et puis toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et comme toujours, hein, j'attends votre commentaire, vos avis, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!